tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, donc juillet 2024, petit point bancaire avec Delphine, donc de chez Yvancy. Comment se portent les taux en ce milieu d'année 2024? Puisqu'on nous a annoncé des hausses, des baisses, on ne sait pas trop. Ouais. Alors on a eu des baisses depuis le début d'année, hein, finalement. Tous les mois, on a eu des baisses de taux d'intérêt. Là, au mois de juin, au mois de juillet, les taux semblent stagner. Alors il y a eu le contexte électorale qui néanmoins a un peu bloqué le système de baisse de taux, parce qu'on aurait dû avoir une baisse quand même au mois de juillet. Mais c'est-à-dire qu'on attendait finalement de savoir un petit peu ce qui sortait à l'Assemblée nationale pour savoir un petit peu le... Voilà, les banques ont été attentistes à savoir un petit peu comment ça allait se dérouler et la finalité. Donc on s'attendait à ce que les taux du mois de juillet baissent. Finalement, ils n'ont pas baissé, mais ils n'ont pas augmenté non plus, parce qu'on a eu peur de ça à un moment donné. On est sur quel taux alors aujourd'hui? Voilà, alors on peut faire. Alors nous, je peux t'indiquer les taux qu'on a eu sur les meilleurs dossiers, les meilleurs taux, ce qu'on appelle les meilleurs taux du mois. Alors effectivement, sur 20 ans, on va commencer sur 15. 15 ans, 3,08, là c'est ce que j'ai obtenu la semaine dernière. 3,20 sur 20 ans. Et sur 25 ans, on a eu un taux à 3,29. Donc un très très bon taux. Donc c'est-à-dire on est proche des 3% quand même. Bon, on est, oui, je pense qu'on est très bien quand même. Après, on se rend compte également que les banques reviennent vraiment fort sur le marché, hein, des prêts immobiliers. On a pour certains établissements des ventes privées des ventes privées en taux où effectivement pendant un mois, alors il faut effectivement respecter certains critères, c'est sur certains profils, mais néanmoins ils font un effort. Donc on verra au mois de septembre ce qui va se passer. Pour l'instant, on ne le sait pas. Donc on verra le mois d'août 2024 sera comme au mois de juillet, oui, finalement, on va avoir les mêmes taux. C'est et ça. Peut-être qu'au mois de septembre, on aura une évolution en bien ou en mal. On n'a aucune vision sur septembre pour le moment. Mais en tout cas, aujourd'hui, les banques prêtent et les taux d'intérêt sont quand même attractifs. Donc, il faut foncer. D'accord.